Dans ce cours, on va étudier l'anatomie de la veine cave inférieure. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer notre cours par une introduction, l'anatomie descriptive de la veine cave inférieure, les branches d'origine de la veine cave inférieure, ses rapports, les applications cliniques, les voies d'abord chirurgicales et à la fin, une petite conclusion. La veine cave inférieure est le tronc collecteur de la partie sous-diaphragmatique. Elle a un trajet dans la cavité abdominale et elle traverse le diaphragme. Elle présente un court trajet thoracique. Pour l'origine, elle est formée par la réunion des deux veines iliaques primitives, la veine iliaque primitive droite et la gauche. Ces dernières résultent de la réunion des veines iliaques externes et internes à la hauteur de L5. Elle présente un trajet rétropéritonéal au niveau du flanc droit du rachis lombaire. Elle a un trajet vertical jusqu'à L1. Il traverse le diaphragme à la hauteur de T9. Il passe derrière le foie et se termine au niveau de la paroi postérieure oreillette droite. Concernant les dimensions, la veine cave inférieure a une longueur de 22 cm, un diamètre de 2 à 3 cm. Elle présente deux renflements au-dessus de l'abouchement des veines rénales, au-dessus de celui des veines sus-hépatiques. Les rapports de la veine cave supérieure. Les rapports dans l'abdomen. La veine cave inférieure est accompagnée par les nœuds lymphatiques lombo-précave, latérocave et intermédiaire. En arrière, elle répond aux vertèbres lombaires de L4 jusqu'à L1. Elle répond aux muscles grand psoas, à la partie médiale de la surrénale droite, aux artères lombaires qui sont horizontales, à l'artère rénale droite, à l'artère surrénalienne inférieure et dernièrement à l'artère phrénique droite. On a répond à l'artère il y a comme une droite en bas, à l'artère mésentérique inférieure, à l'artère gonadique, plus en haut, à la partie duodéno-pancréatique, et dernièrement, elle répond au foie. À gauche, elle répond à l'aorte abdominale, au lobe caudé du foie. À droite, elle répond au côlon ascendant, au bord médial du rein droit et à l'urètre droit. Au niveau du thorax, elle a un court trajet de 3 cm qui est recouvert par le péricarde. Elle répond en avant à l'oreillette droite. En arrière, elle répond à droite au ligament triangulaire et à gauche, elle répond à l'œsophage. En dehors, elle répond au nerf phrénique et à la plèvre médiastinale et au poumon droit. Au niveau de son traversé diaphragmatique, elle adhère au bord du foramen diaphragmatique à la hauteur du D9. Concernant ses branches collatérales, la veine cave inférieure reçoit les veines lombaires qui naissent au niveau du tronc de conjugaison au-dessus des artères lombaires.
Elle se termine au niveau de la veine cave inférieure. Deuxièmement, elle reçoit les veines rénales qui passent en avant du plan artériel rénal. La gauche est plus longue que la droite. Elle passe en avant de l'aorte et de l'artère et passe en arrière de l'artère mésentérique supérieure. Puis, on a les veines surrénales moyennes. La droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. La veine cave inférieure reçoit les veines supraphiques qui drainent le sang du foie vers la veine cave inférieure. Premièrement, on a la veine supraphique droite, la veine supraphique moyenne et à la fin la veine supraphique gauche. Elle reçoit aussi les veines diaphragmatiques inférieures, une à plusieurs branches, puis elle reçoit les veines gonadiques qui montent en dehors de la veine cave inférieure. La veine gonadique droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. Concernant les anastomoses, premièrement, on a les anastomoses porte-cave. Les anastomoses porte-cave, premièrement, on a les anastomoses de la région du cardia. Ce sont elles qui forment les varices cardio-œsophagiennes en cas d'hypertension portale. Puis, on a les anastomoses de la région ombilicale avec les veines para-ombilicales. On a les anastomoses rectales avec les veines hémorroïdales supérieures, les anastomoses porto-sus-hépatiques et les anastomoses pariétales. Concernant les anastomoses cavo-cave, le système pariétal antérieur est formé par la veine épigastrique, la veine mammaire interne. Deuxièmement, on a le système lombo-azygos qui est formé par la veine lombaire ascendante, la grande veine azygos et la veine hémiazygos inférieure. Concernant les applications cliniques, les variantes de la veine cave inférieure, on peut avoir une atrésie de la veine cave inférieure, une veine cave inférieure bifide ou bien située à gauche de l'aorte abdominale. Leur incidence est rare et leur impact clinique est le plus souvent faible. La connaissance de ces variantes permet de redresser certaines erreurs diagnostiques et de mieux organiser les gestes interventionnels. Les voies d'abord chirurgicales. Premièrement, on a la laparotomie médian xypho-pubien depuis l'appendice xyphoïde jusqu'au sous-ombilical. Deuxièmement, on a la laparotomie bisocostale. L'incision est tracée à deux travers du doigt au-dessous du rebord costal. Il peut être complété par une incision de la ligne médiane jusqu'au xyphoïde. En guise de conclusion, la veine cave inférieure est le tronc collecteur des veines de la partie sous-diaphragmatique. Il naît de la réunion des veines iliaques primitives droite et gauche à la hauteur du L5. Il passe au niveau de l'espace rétropéritonéal de la cavité abdominale. Il traverse le diaphragme à la hauteur de D9. Il présente un court trajet thoracique et se termine dans la paroi postéro-inférieure de l'oreillette droite.